Ma pratique de la pêche fait que je me suis dit la Nouvelle-Zélande, c'est un peu un territoire qui fait fantasmer beaucoup de pêcheurs. Quand je suis arrivé sur place, tout de suite, j'ai eu un choc esthétique, un choc physique. Du coup, quand tu es pêcheur à la mouche, tu as toutes les configurations de rivières possibles du monde et même plus. Et donc, c'est un réel fantasme de pêcheur, c'est de pouvoir pêcher dans toutes les rivières possibles sur un territoire aussi vaste et à chaque fois, en plus, des poissons exceptionnels et sauvages. Là-bas, les rivières, en termes de pêche, on appelle ça gin clear, c'est-à-dire clair comme du gin. Et c'est ce qui fait un peu le rêve des pêcheurs, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir le fond de l'eau de manière parfaite. C'est pour un pêcheur et pour un peintre, c'est un fantasme aussi, cette eau pure comme ça, dans laquelle on va laisser son regard se perdre.